Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un modèle d'isochore, car elle est très importante pour concevoir le modèle de zone. Ok, nous allons nous baser ici pour la création des isochores, à quoi renvoient ces derniers. Ça représente juste les niveaux les plus élevés que nous allons observer dans nos structures rocheuses. Ok, pour le créer, nous allons fermer cette boîte, nous allons activer la 3D et nous allons tout fermer. Bon, ici, intersection, si vous fermez tout. Ok, pour la création d'un modèle d'isochore, nous allons rester dans input. Bon, dans input, nous allons chercher stratigraphie, avoir les données que vous avez importées. Bon, pour la création de monnaie des échos, on va d'abord créer les différents points de ces échos là pour la concession de ces échos. Ok, pour créer les points des échos, il suffit de prendre d'abord la première structure stratigraphique, si la décrétation, de sélectionner qu'il soit en bleu d'abord. Ok, et pour quitter de base décrétation top table, vous faites. Vous mettez votre curseur là, vous faites juste un clic droit pour ne sélectionner pas. Vous cliquez juste sur le clic droit au niveau de votre clavier ou votre souris. Ok. Non, ça a lâché. Bon, assurez-vous quand vous faites un clic droit que base des crétacés reste gras comme ça. Et vous cliquez sur convert to isochore point. Ok. Vous acceptez, yes, vous descendez là, vous allez voir le premier, c'est ça, isochore qui a été créé, le premier isochore qui a été créé. Ok, maintenant nous allons créer le second. Bon, la même procédure, vous sélectionnez là et vous faites second table tout, vous faites un clic droit. Ok, convex to isochore point, acceptez, question yes, vous faites de même pour la suite. Ok, à table 2, vous faites un clic droit là, je vais convex to, voilà, on accepte, yes. Ok, pour le deuxième point que nous venons de créer, le troisième, on constate que c'est la même chose. Avant, c'est écrit ici. Nous allons supprimer ceci. Ok. Cliquez, faites juste un clic droit là et cliquez sur Delete. Ok. Ok, ok. On revient. On revient là. Ok. Maintenant, nous allons partir d'ici. On sélectionne. Ok, c'est bon. Table 1, on clique et non, clic droit directement. Vous, comme je vous ai dit, vous vous assurez que ceci est grand. Maintenant, pour le quatrième, table 1, timeline statique, normalement je puisse un clic droit et convertir. Message, il souhaite calculer, on dit yes. On continue. Maintenant, Tidness, top Nice, à Nice 1, un clic droit. Convertir tous les autres points. On dit yes, c'est bon. Maintenant, pour le dernier, sélectionnant. Ok. Et il faut le puisseur. Convertir tous les autres points. Yes. Ok. Ah, tout est bon. Tout est fini. Ok, ok. Une fois que c'est terminé, vous allez dans Home pour le mettre dans un dossier. Ok. New. Le dossier en question, on renomme. Nous allons vous mettre le nom que vous voulez. Voilà. Je vais mettre ici Thickness
et qui naissent pour un point. Ok, maintenant je vais sélectionner tout ça. Je sélectionne. Tout. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un clic gauche, je cale, je porte, je le mets ici. Directement, il est accroché. Maintenant, je peux le visualiser. Je peux le visualiser en 2D ou en 3D. Ok, nous allons commencer à rester en 3D. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je prends le premier. Les points, les zircons sont des points au niveau de avoir les niveaux les plus élevés entre top, table, base, et puis je sélectionne. Tac, le voici. Si je clique sur viol, viol là, on a tous ces points là. Et ici, je vais injecter donc les profondeurs. Page dans la setting. C'est la setting là. Ici, number annotation. Bon, je fais les annotations. Je prends peut-être la taille de la taille. Je prends 20 et je clique sur apply. Apply. Ok. Constatez qu'ici j'ai bel et bien le niveau le plus élevé, la profondeur, quelle est la profondeur entre chacun d'elles. Je fais la même chose pour le deuxième. Je clique là. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ok, vous pouvez mettre les profondeurs de tout un chacun en faisant le même principe. Ok, voilà les zircons. Point. Maintenant, nous allons convertir ces zircons points en zircons, bon, un modèle sous forme de structure du zircons. Ok, pour convertir. Forme de structure des zircons, nous allons utiliser Edit Surface, avant la structure à modeling. Vous cliquez là, structure à modeling, là, vous cliquez sur Make Surface. Okay. C'est Make Surface qui permet de convertir, de concevoir un ensemble de parties d'un élément qui n'est pas regroupé. Il est regroupé sur une surface. Okay. Donc ici, vous allez ici dans vos zones surface. Vous cliquez, vous sélectionnez qu'il soit en bleu, vous cliquez sur votre clavier direct. Le message demande le boîte de dialogue aussi. Vous cliquez, vous acceptez yes, tout ça va disparaître. Maintenant, main input. Ici, à main input, vous sélectionnez votre premier petit point ici. Vous me le mettez ici. Ok. Maintenant, comme attribut, si vous déroulez, ici nous allons prendre des suivant la profondeur. Vous laissez le TST qui veut dire true stratigraphique, thickness, tu veux dire mesure d'effet avance. Il va être construit suivant les épaisseurs. Maintenant, Boundary, vous prenez le même. Boundary, nous allons prendre la frontière que nous avons créée précédemment. Voici une... Maintenant ici, nous cliquons ici. Parce qu'il va calculer en prenant en compte tout le dossier, tout ce dossier-là. On ne va pas faire ça un par un. Okay? La géométrie, nous allons prendre c'est automatique. Il va faire le calcul lui-même. Lui-même, il va calculer par défaut. C'est quand vous allez avoir un niveau plus avancé que vous pouvez venir ici paramétrer. Fonction de vos objectifs qui vont rester automatique. Pour les autres outils, vous pouvez juste cliquer là pour voir à quoi cela correspond. Ok, une fois que c'est terminé là, vous pouvez sur apply et calcul. Ok, bon, il a calculé. Voilà ce qu'il a ressorti. Ici, vous pouvez renommer. On va renommer ce dossier sur F2. On renomme, nous allons mettre ici isocore. Isocore. Ok. Pardon, le dossier d'isocore. Ok. Maintenant, nous pourrions le visualiser là. Ok. Isocore, tac.
Voilà donc les époques qui sont pas suivies au niveau le plus élevé. Voilà, c'est le premier isochore. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième isochore basé sur la profondeur. Okay. La prise en compte les points, chacun des points pour se construire. Ok, vous attendez à moi que c'est plus mieux de visualiser en 2D. En 2D, voilà, nous allons essayer de cocher. C'est un omniprésent qui est visocore aussi. Voilà ça. Vous voyez, il est bien au moins qu'il a bien été bien conçu à partir de la frontière. Il attrape bien toute la frontière. Okay. Vous avez constaté que lorsque je mets le point là, le point, je le couche là, le niveau le plus élevé. Les épisodes les plus élevés, fonction de la profondeur où on se trouve, les isochores ont été construits. Ok, le niveau, ici pour analyser, c'est juste le niveau le plus élevé, c'est la zone où ici la profondeur est la plus élevée. Okay. Il se propage de manière. La propagation se déroule en fonction des profondeurs où les épaisseurs sont les plus élevées. Okay. Si vous mettez peut-être la région, vous voyez, constatez ici que l'épaisseur de tout le top table base qui est assez est de 60, c'est la couleur violet ici. L'épaisseur a plus d'impact, est plus creux en fait ici. Ou les baisser plus élevés à ce niveau-ci. Okay? C'est ça qui varie comme ça. Bon, c'est comme ça qu'il faut pour concevoir un modèle d'isochore. C'est à quoi vous voyez cette vidéo. Okay? Pour la prochaine fois, nous allons créer donc un modèle de zone. Okay? Bon, disons-nous à bientôt. Okay? Bye bye.